Salut, salut! Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour le Disney Challenge du monde de Ralph. Alors, pour info, je n'ai toujours pas vu le dessin animé. Voilà! Genre, j'arrête pas de m'enquiquiner pour que je le regarde, mais franchement, c'est pas un qui me botte plus que ça. Donc ce que je vais faire, je vais vous expliquer maintenant ce que je vais faire. Comme ça, je superpose les images par après tant que les chiens sont calmes. Et je filmerai sans parler le make-up, mais comme ça, vous avez déjà toutes les infos. On commence par dire que la vidéo de ma bichette est en barre d'infos et que si vous voulez savoir le prochain Disney Challenge, c'est sur sa vidéo que ça se passe puisque c'est elle qui l'annonce à la fin. Donc moi, j'ai hâte de savoir. Et ben voilà, n'oubliez pas de vous abonner à sa chaîne si ce n'est pas encore fait, à lui laisser des pouces en l'air, des gentils commentaires comme d'habitude, et on peut commencer. Donc j'ai décidé de partir sur Vanellope von Schweiss. Je sais juste que ça se prononce Vanellope, j'ai demandé à Sam exprès ce matin. Et je vais partir sur son legging, voilà, ça me parle bien, ça me plaît bien. Donc je vais commencer par prendre la palette XX Envie et faire avec la teinte, je ne vais pas trop me casser la nénette, hein. Je vais prendre une teinte qui correspond à peu près à la couleur de son legging, que je vais badigeonner sur toute ma pipière, bien sous l'arcade sourcilière aussi, enfin je vais le monter assez haut et tout ça, tout ça. Je vais faire les petits détails comme d'habitude avec du liner cake qui sont donc les Glisten. Voilà, tout simplement, je vais prendre le blanc et le blanc qui est le milk et le flamingo. Voilà, je vais coller quelques strass de toutes les couleurs sous les yeux, je pense, ou autour des yeux. Je ne sais pas encore comment je vais les mettre. Pour représenter un peu les bonbons qu'elle a dans les cheveux, enfin les petits confettis de sucre qu'elle a dans les cheveux. Sur les lèvres, je vais mettre donc le Corazona Salsa. Je pense que la couleur va bien avec la teinte qui est à peu près dans son legging et le cordon de son pull. Et voilà, je n'ai rien de plus à ajouter. Donc on se retrouve à la fin pour voir ce que ça donne, si je parle pas assez, et voilà. Et donc voilà le look final pour Vanellope von Marchin. Bah écoutez, je pense que... Alors, je suis partie sur un trait comme ça, d'abord, pour faire les obliques, pour pas faire sur la paupière, puisque sur la paupière, après, ça devient un effet caca, ça bave, c'est dégueulasse. Et voilà, les petits strass tout colorés, multicolores, comme ça, j'aime beaucoup. Il a fallu que je les mette presque en symétrie, quand même, hein, voilà. Je ne sais pas faire les trucs asymétriques. Enfin, quoi que j'ai fait les yeux asymétriques, mais voilà. Et la partie de sa jambe avec le trait prune un peu comme ça à l'intérieur. Voilà. Bah écoutez, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si ça remplit le thème de Ralph, du monde de Ralph. Surtout Vanellope von Marchin. Et c'est tout. Donc n'oubliez pas que vous avez la vidéo de ma bichette en barre d'infos. Donc dépêchez-vous d'aller voir juste après celle-ci si vous voulez connaître le prochain Disney Challenge. Moi j'ai hâte. Et bah, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air ici, de me dire en commentaire si le challenge est rempli, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, ça fait vraiment plaisir, ça m'encourage et ça m'aide pour l'algorithme et tout ça, tout ça. Toutes vos interactions m'aident énormément de toute façon. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et moi je n'ai plus qu'à vous dire bisous, bisous.